Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et on reprend donc l'aventure avec des Brahim. C'est ça hein? Brahim, c'est ça? Des Brahim en face de nous et donc on va continuer à avancer. Des Brahim sauvages, ça m'intrigue. Il y a personne pour les garder. Bon, bah écoutez, continuons à nous balader dans les terres sauvages. En état désolé, la capitale. Sauvages et désolé, la capitale, voilà. Apparemment, il y a des gens. Mon pistolet laser, tant pis. Chaîne garde à la compagnie Talon. Tiens donc. Je crois qu'on va résoudre un problème, chers amis, dans cet épisode. Ah, il aurait bien qu'il serait tombé sur un Maccabée. Bah, attendez, je peux rentrer par là. On va résoudre un problème. Là, je crois qu'on est dans quelque chose de très très bon pour la série. On va résoudre un gros problème. Si j'arrive à rentrer dans le bâtiment, qu'il y a de quoi monter. Il n'y a pas de quoi monter, merde. Oh, je les aurais snipés un par un. Mercenaire compagnie Talon. Et là. Dites rien les amis. Je crois qu'on y est. Et moi, quand je suis dans un endroit comme ça, j'y suis pour de bon. J'annonce. Va y avoir littéralement des morts. Pourquoi danger? Un chien? Oh. Wouhou! T'as un truc un peu trop balèze pour moi. Alors, il m'a pété un bras et une jambe. Alors mon pote, est-ce qu'il a alerté les autres? Est-ce qu'il a alerté les autres? Qu'il a alerté les autres. Il y a eu une petite musique à la con, c'est très bizarre. Mais écoutez, moi de ce côté-là, ça me dérange pas. Hein. Hop. Lance-missile, encore une fois, est-ce que je peux le réparer? Je pense pas. Lui, par contre, peut-être le réparer un petit coup. Hop, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Lance-missile, on pourrait l'utiliser, on a plein de missiles, c'est vrai. C'est quoi cet endroit? Quartier du chef de corps. La vache. Je l'ai pas vu venir celle-là. Ah le voilà. Pion. Oh putain. Ils me font chier. Et ils me font chier, j'ai peur de Steampack à cause de ces connards. Aider lance croquette. Oh.
Dégage. À vrai dire, le fusil à pompe, c'était une idée. Bonjour! En parlant de fusil à pompe, dis donc. Ils vont tous sortir avec le fusil à pompe. Croyez? Qui est là? Parce que moi, s'ils sont tous avec le fusil à pompe, c'est pas dur, hein. Qui est là? Oh la vache, ça l'a pas suffi. Qui va crever? Bonjour. Toi, faut surtout pas que tu tires. Pam 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 pam. Pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Non? Bon bah apparemment non, il veut pas venir. Nuka-Cola. Pas me permettre de prendre ça. Et les bombes sucrées, je les garde. Rien à foutre. J'ai trop de lance-missiles. Le fusil laser. J'ai trop de bordel sur moi. Je crois que c'est la fin. J'ai l'impression d'entendre des rats de cafards, donc bon. Plus ou moins une bonne nouvelle. What? C'est un silo. La gueule. Je crois que c'est un silo de missiles. J'ai fait le tour? Bon, bah apparemment je suis descendu en bas. Donc les quartiers du capitaine, c'était ça? Du bonhomme, c'était ça ou c'était ça? Excellente question. Qui est là? Je crois que c'était rien. Je crois que c'était rien. Ah merde alors. On a pu voir un verre. Ah attendez, j'avais pas vu ça. Oula. Là ça pue. Parce que niveau santé on est vraiment ré-crac. Donc je vais devoir prendre obligatoirement un steampack. On est là. Compagnie Talon. Il avait un porc aux haricots. Je prends le porc aux haricots. Il faut que je mange le porc aux haricots. Bon, apparemment, il n'y a plus personne, donc. On va y aller plein pot. Vestiaire vide. À vrai dire, je suis pas tant là pour les vestiaires. Merde, j'ai pris un truc qu'il fallait pas. Je crois que j'ai pris une ceinture. C'est pas que ça me dérange en soi, un presse-papier, non mais au paquet de cigarettes, non mais au. Oh
Apparemment, il y a des ennemis à proximité. Chier. Par contre, je crois que j'ai trouvé le jackpot. Bon, forcément, j'ouvre le seul qui est vide. Hop. Ouh. Y a rien de verrouillé en plus. C'est presque dommage. Ça doit être l'armurerie par là. Oh, c'est encore mieux. Parfait. La régène. La bonne grosse régène, chers amis. Hop là. Pourquoi pas. C'est même pas grave qu'il n'y ait pas de Steam Pack, je suis trop heureux d'avoir trouvé ce que je voulais. Oh la vache. Ce qu'ils m'ont mis. D'accord, deux tourelles. Oh putain, doit sûrement y avoir des trucs dans l'eau. Non. Rien dans l'eau. Bon bah écoutez, je me suis fait eu. Enfin, si on peut appeler ça se faire eu. Il y a encore une porte. Qui doit arriver en fait à l'autre bout de l'autre couloir. Tout à fait. Avec de la bouffe plein pot. La bouffe ne m'intéresse pas en soi, même si elle régène. Bon, bah écoutez, on va remonter. Hop. Je croyais qu'on allait retourner sur nos pas, mais en fait non. Avec un peu de bol. Non. Tuez les tous. Non. Pas la bonne arme. Je trouve pas ce que je veux. Ça y est, il est là. Aïe. Alors F9, ça nous remonte où? Ici, d'accord, pourquoi pas. C'est là qu'on avait vu la bouffe. Vous savez quoi? Appeler.
Hop, et on en prend plein la gueule cependant, donc on va se healer un petit coup. Tant pis, hein. Ça y est! On a fallu du temps pour crever à celui-là. Un mur de métal, ouais, bon bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Casque de combat talon, ça peut être intéressant. Rasoir d'Occam. Cool. Je sais plus c'est quoi la référence. Je sais plus ce que c'est que le rasoir d'Occam, ça me dit quelque chose. C'est pas un truc de maladie, c'est un truc comme ça? Si, si. C'est clairement ça, c'est un truc en rapport avec une maladie. What? Mais il sort d'où lui? Tiens, bouffe. Putain. C'est un peu tôt pour venir ici. Ça nous contrôle les tourelles. Allons voir. Décision, non. Assistant, non. Religion, non. Ponderous, non. Wandering, non. Presque. Wandering, presque. Carpeting. Voilà, c'était ça. Pourquoi pas? Désactiver les tourelles. Putain. Ça va nous faire du bien, on va être au calme. Bunker de Fort Bannister. Terminal, verrouillé. Porte verrouillée difficile. Ah. Defended. Recorded. Déverrouillé. Vérifie juste qu'il n'y ait pas de tourelle ou n'importe quoi, de toute façon. Cet endroit est quand même assez dangereux, faut le reconnaître. Un petit peu de jet. Waouh, la gueule. Sortir le Fat Man là-dedans, c'est violent. Malgré tout. Oui, non, oui et non. Voilà, je savais que j'allais finir par l'avoir. Par contre, oui, je commence à devenir complètement. Bah, mort, un cadavre en fait, simplement. Hein. Je me transforme petit à petit en cadavre. What, y a encore quelque chose qui a survécu? Une tourelle Mark 7, mais bien sûr. Alors celle-là, si on peut l'éviter. Il va falloir. Parfait. De là où elle peut pas me tirer. What? Are you the motherfucking serious? Oh. Ah.
vais tenter un truc. Je vais tenter un truc. Pam 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 pam. Non. Non plus. Ah, je l'ai pas eu non plus. Oh la gueule! Elle veut pas mourir! Ça coûte cher ces bêtes-là en plus. Oula! Bon, je sais pas comment elle a fait pour me rater autant de fois, mais bon. Ce qui est arrivé est arrivé. Caisse de munitions! Des PC qui servent à rien. Un coffre-fort, utiliser la clé. Capsule. Et rien dedans d'intéressant. Si tout ça n'est pas génial. Caisse de munitions, ouais. Ah ah ah, attendez, une planque. Et une planque, ah ah ah. Quelle planque! Ouhouhou! Boîte de premier soin, on va prendre aussi. Bon. Tout ça pour ça, comme dirait l'autre. Écoutez, je pense qu'on va se laisser là, chers amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-bériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.